Moi, je souhaitais que nous tous en forme et nous t'ai passé une bonne semaine malgré tous les problèmes que ça engendre dans le monde. Je salue les amis de partout, quel que soit à côté où à vivre là. Moi, je salue tout le monde, toute famille, toutes amis Haïti. Moi, je souhaite nous tous bon courage. N'a prié pour nous, côté nous, en Europe, Asie, ou tout le monde dans le pays étranger. N'a écouté et n'a gardé et n'a prié pour nous tous en forme. Je dis à moi pour aller parler nous de un sujet dans le conseil médical, c'est-à-dire une expression qui est souvent utilisée pour faire du mal aux gens. Nous pour aller parler nous pour nous protéger tête nous pour aller parler nous de sujet ça, je dis à c'est-à-dire c'est une expression qui dit prêcher le faux pour savoir le vrai. Prêcher le faux pour savoir le vrai, beaucoup moun utilise li, c'est-à-dire soit parce que moun a besoin obtenir yon bagay de ou même, soit parce que moun a li vle vin zami ou men li wè, li pa nan même catégorie que ou même li inventé yon histoire pour le ka approche ou de ou même, soit moun a li même li remè ou li pa kon sa pour le dire, donc li pa l'inventé yon vie pour le ka expliquer ou ça. Donc restez branchés, partagez mission ça avec vous et zami ou avec famille ou quelque chose. Moi salut nous tous aujourd'hui, c'est avec un plaisir que moi rentre la caille aujourd'hui. Moi souhaiter que nous tout en forme malgré tout ça qui a passé dans le monde aujourd'hui. Nous connaît que en pile nous attristé quel que soit changement de température, quel que soit problème familial, quel que soit problème économique, problème politique, nous tout en semaine ça yo nous t'est un peu affecté des une série de bagages nous apprendre dans la vie ça. Mais je dis à moi, ça m'a parlé non dans le conseil médical là, m'a parlé non de yon expression qui souvent utilisée dans mon ça. Expression ça, c'est yon le prêcher le vrai pour avoir le faux. Mes amis, m'a parlé non de ça, je dis à, c'est parce que nous, chaque qui vivons dans la vie ça, nous t'es victime de yon promesse, yon moun fè non, de yon bagay yon moun di non qui pas vrai. Gen yon façon que nous y est, façon d'être non, façon que nous pas facile pour moun. Gagne une série de accessibilité dans la vie nous mais gagne une série de monde en fait qui trouvait une stratégie pour entrer dans la vie au quel que soit le prix parce que les utiliser une façon quel que soit monouya gagne parfois mon nan les utiliser des traits ou gagne parfois mon nan les utiliser les inventer une vie qui n'existe pas pour entrer dans ta vie donc c'est une expression qu'on appelle souvent en Europe prêcher le faux pour avoir le vrai. Donc, quel que soit le pays où tu es aujourd'hui, ou tu es affronté un jour avec un bagage comme ça, peut-être ou pas de victime, parce que ou c'est un monde qui comprend ça. Mais je dis à l'important, ça me voulait dire, nous, moi, pas voulait dire que tout le monde qui paraît devant nous, il a pas le menti, bah non, c'est pas ça. Moi, je voulais faire nous comprendre, conseil de technique, conseil de foi, nous mettez mes noms en tête, nous dit pour qui ça, si me te connais. Mais c'est parce que, en fait, idée nous. Et à par façon ressenti non par exemple c'est comme yon maman l'elle gros ventre li kon senti gen yon bagay ki pa ka ale mais gen parfois li di docteur yo bon ça va pas tout bagay sa yo di gen pa oh non madame c'est dans tête tout ça va c'est pareil conseil de moun ou senti gen yon bagay ki pa ka ale ka yon moun ou gen yon sorte de suspicion ka yon moun nan donc gen parfois son penser a li réel mais on l'autre monde pral fò kwè ou moun nan pral fò kwè non c'est un problème ou qui est dans tête ou c'est toi qui a imaginé ça donc c'est tout ça qui fait que c'est une sorte de manipulation donc l'important sujet ça nous pral parler aujourd'hui pour prendre le temps pour comprendre une série de situations c'est-à-dire pour ne pas être naïf pour ne pas croire aux gens au premier venu c'est-à-dire de chercher à connaître les personnes de les fréquenter mais sainement. Sans, c'est-à-dire avoir, par exemple, tout ou courir sur mon nom, pas en temps, ou pas prendre le temps pour connaître mon nom, c'est-à-dire que tu as fait projet, que tu as fait un pile bagay, et après tout ça, tu vas découvrir un pile bagay qui est mon nom. Donc, c'est expression ça que, moi, je dis, nous tous faisons face ensemble avec lui, surtout, moi, je parle ensemble avec nous. Mais il y a des gens parfois qui font croire une série de bagages et puis ils viennent découvrir que ce n'était pas ça. Moi, il y a des gens qui ont essayé de jouer moi comme ça. Mais ça, c'est du passé. Ça, c'était des bagages longtemps. Mais bon, je dis nous, ces techniques, ça, nous avons utilisé, quel que soit à côté où on vit là, c'est-à-dire, c'est prêcher le faux pour avoir le vrai.
Ce sujet ça nous pourra le traiter aujourd'hui à prêcher le faux pour savoir le vrai. Prêcher le faux pour savoir le vrai, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une expression, d'accord, que beaucoup de personnes utilisent. Quel que soit où trouver ça dans la famille, tu trouves ça en ami, tu trouves ça aussi parfois dans le monde du travail. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Avant que je définis le terme, pourquoi ce sujet? Parce que si tu n'es pas fort dans ta tête, si tu n'es pas quelqu'un qui réagisse, quelqu'un qui peut comprendre les choses, tu peux te faire avoir dans ce contexte-là parce que quelqu'un va venir devant toi, c'est-à-dire la personne a déjà ciblé tes points sensibles, c'est-à-dire la personne sait tu es en détresse, la personne sait tu n'es pas une personne accessible, donc je dois créer une façon de sauter le pas, c'est-à-dire prenez comme quoi vous êtes quelqu'un de gentil, d'adorable, hein, quelqu'un qui aime écouter les gens, quelqu'un qui a de la sympathie, comme je suis comme ça. Donc, si je ne sais pas où mettre les pieds, eh bien, beaucoup de personnes peuvent me manipuler, peuvent utiliser les moyens pour joindre ça aux besoins, la caille ou la caille, moi. Donc, prêcher le faux pour savoir le vrai. Prêcher le faux pour savoir le vrai, le plus souvent, comment les utiliser? Yo utilisé sur un contexte et yo utilisé par exemple mon nom lui-même li pral essayer et raconter misère li. Nous trouvons souvent les par exemple mon nom et lui-même li pral utiliser après m'pral définir moi terme nan pour nous mais ma font sorte de essayer montrer nous qui j'en est important pour nous tendre émission ça aujourd'hui pour nous partager la semaine avec amis nous avec famille nous parce que il y a une série de techniques de manipulation dans le monde et moi dis ça c'est dans le monde c'est pas que Europe l'Asie l'Océanie l'Amérique Haïti non c'est dans tout le monde chaque grain de monde dans le monde là c'est-à-dire une situation mon a bal couleur livlé pour le café au coin salvelé. Donc, parfois, on pas gagne les outils, tu n'as pas les matériels pour découvrir que c'est un mensonge, mais tu n'es pas obligé de croire à 100%. Il faut toujours accorder le bénéfice du doute à quelqu'un, mais pas de croire à 100% dans une personne. D'accord? Et c'est ça qui fait qu'on pourrait avancer main dans la main comme ça, c'est-à-dire, je t'accorde le bénéfice du doute, mais je ne te fais pas confiance. On ne peut pas avoir la confiance aveugle dans un être humain. D'accord? Nous pas qu'à gagner une confiance absolue dans même petite nous. Imaginez, nous connaissons les grands monde yo fin rive non l'âge Alzheimer, yo gagne la démence, la caillou, et ben yo te possède une série de biens matériels qui ça qui fait que parfois petit yo al marié avec un partenaire et partenaire ça yo y a un seul bagage aussi non petit ça l'attend un seul bagage. C'est retirer maman côté lié, retirer papa pour mettre au non côté pour récupérer tout bien pour y aller vivre ensemble avec partenaire et petite paille. Tandis que yo te ka aider moun nan prendre kon aider continuer aider mettre bon la caillou à l'ouel foncé de bagaille pour aider non tout ça yo vle yo dit déjà grand monde et bien li te kon tout bagaille là donc li important pour mettre l'argent de côté pour l'offre une grand monde pour qu'à jeunion ou de secours même maison de retraite là pour qu'à mettre au parce que parfois c'est petit tout compter sur lui soit il pas gain moyen pour le mettre là dedans soit eh bien li bordeaux donc c'est pour cette raison et c'est des expressions que mon Dieu dit je serai toujours là pour toi je t'aime bien c'est des mots c'est des trucs qu'il faut faire attention à ces propos là. D'accord, c'est-à-dire la personne va rentrer dans ta tête une façon, va montrer qu'il tient tellement à toi, qu'elle tient tellement à toi, qu'il n'y a que toi de ce monde qui pourrait l'aider. Il n'y a que toi, à part toi, il n'y a personne d'autre. Il va te valoriser, cette personne va te mettre en valeur dans la seule façon de t'avoir et de te faire croire ce que la personne veut te faire croire. Donc, je dis en parler nous de ça prêcher le faux pour avoir le vrai. Prêcher le faux pour avoir le vrai, yo dit c'est 5 techniques de manipulation. Le faux choix, prêcher le faux, rendre redevable, jouer sur la cohérence
et l'autorité. D'accord, c'est ça, prêcher le faux. Donc, le faux choix. On a de définition de quelques petits mots pour nous comprendre qui ça le faux est et qui ça prêche le faux pour savoir le vrai voulait dire. Déjà, le faux choix, c'est qui ça? Cela consiste à faire croire que vous avez le libre arbitre alors que ce n'est pas le cas. Ok, c'est le faux. C'est-à-dire, mon nom du ça, eh ben ouais, moi-même, par contre, mais là, tellement vlé ou tellement, ouais, vlé d'eau tellement. Et si même si tu as un problème demain ou mettre vini, pas un problème à recevoir. Et à la longue, les ou est ou fin abandonner toutes sortes de gains ou prendre paquet ou vini ou vin kaimou non vin frapper porte li dit comme ça oh malheureusement quand je recevoir non pas me vie famille moi. Donc c'est-à-dire moun nan pou te gagnon dans la ville. Les ou prend décision par exemple, moun nan te faire quoi que ben vêti moi j'ai un problème là, un exemple que je vous donne, moi j'ai un problème là quel que soit l'heure li à quel que soit moment il y a on mettre les maps toujours là pour. Donc c'est ce qu'on a dit le faux choix. Le faux choix, c'est-à-dire que tu crois en ce que te dit la personne jusqu'à ce que tu t'abandonnes. La personne, tu as une confiance aveugle à cette personne, la personne rentre dans ta tête. Le jour J est arrivé que tu as vraiment un problème, tu appelles cette personne et la personne commence à t'ignorer, d'accord, à ne pas avoir le temps à t'accorder ou sinon à créer des problèmes là où il n'y en a pas juste pour te fuir. Mais pendant des années peut-être, moun sa te rentre dans tête ou te pense ses meilleurs amis ou ses meilleurs copains, ses meilleures familles ou te ka compter sur lui et tu te retrouves démuni. C'est-à-dire, on retrouve tout uni, sans rien, sans monde pour compter, parfois, mettez tout le monde de côté, parce que c'est le monde sur quoi. Ça s'appelle le faux choix. Par exemple, c'est dire, vous êtes libre de décider, mais il y en aura sans doute plus demain. En plus, j'ai un autre acheteur sur le coup. Vous devriez vous décider vite. C'est-à-dire, quand tu achètes une maison, imaginons ou acheter une machine non mais mon non machine a gain plein problème mais mon non li besoin fond machine non tout de suite li pral pêche le faux pour avoir le vrai, c'est-à-dire li pral dire que gain madame tel oui là qui besoin machine non sou pas prendre demain là la peut prendre nous même comme besoin liquider ça me pral partir demain après demain pas là sou te ka prendre jodi a même li ta bon. Qu'on est à la même nan ou gen versé l'argent sous machine ça, malheureusement machine te gen plein problème ou sinon moun nan ou pa jambe wèl encore. Toujours prend le temps pour réfléchir, pour dire OK, je comprends, je te remercie, mais je veux quelque temps de réflexion pour savoir si c'est un bon choix. Ou ka manipuler moun nan tout non l'autre façon. Ou ka dire moi comprends ça dire non mais moi même te gen t'investi ton l'autre machine. M'bra loué si l'autre machine nan convenim, ma bon réponse. Qu'on est à la tu lui as fait avaler le mensonge, ou même si il te disait vrai, même si tu n'as personne, même si ou pas de l'autre machine, même si ou pas de l'autre bagarre, ou après le visiter, mais pas quitter mon nom pour sous le coup. Donc tout ça, c'est marqué, c'est-à-dire dans les recherches, prêcher le faux pour avoir le vrai. Comment contrer cette manipulation? Comment contrer cette manipulation, c'est-à-dire, ou qu'à vivre avec un manipulateur et une manipulatrice? Ou ka vivre ensemble avec lui. Par contre, li pral fò kwè, lè par exemple, li pa arrive manipuler ou la fè ou kwè, c'est ou même qui manipulateur. C'est ou même qui pas bon. Parce que li tellement gen l'habitude manipuler pas mal de monde, eh bien, le jour que li tombe sou yon moun, li pa ka manipuler, la, eh bien, la inverse rôle, la inverse salye a sou ou. Et puis, sou pa gen tête, li pral fò tombe non sorte de dépression mentale. Parce qu'on pral dit, gèlè sa di a, c'est vrai. Non. Il faut dire, je l'avais connu sainement. Ou te connaître lui dans la sincérité avant ça. Ou faut faire un marche arrière dans la vie. Ou dit, est-ce que m'koun gen problème avec l'autre monde déjà? Ok, ou ka gen problème avec l'autre monde, deux monde. Mais est-ce que même problème yon koun rivaux avec l'autre monde? À partir de là, ou ap dit non. Sa miche dit non. Sa mamzelle dit non. C'est entre moi-même avec lui, ça ne veut pas dire que de même qu'à rencontrer au monde la même manière là. Donc ça permet tout avancer.
Et comment connaître, contrer, c'est-à-dire comment contrer cette manipulation, il faut temporiser en n'acceptant pas de prendre une décision tout de suite. Comme on dit, on va obliger pour une décision tout de suite pour dire ou dire comme ça, après ça demain. Et cela peut paraître simple, mais c'est efficace. C'est très efficace. C'est-à-dire là, mon envie là, oui, mon envie fois pour ouvrir le la ligonzin tout de suite là pour le barou. Faut les mon ça tout de suite pour ça l'embel mais ça est elle dit sous. Faut les tout de suite. Coûter tout ça mon envie. Dis-le comme ça bon. Je comprends ça dire à moi merci en pile. Mais Marilyn tel plus tard parce que là très occupé mon bagage m'a fait. Mais pas inquiète au m'après le bac. Ou prend 2 3 jours réflexion même si ça te dit c'est vrai. Pour connaître qui compte au poil rien situation. Et deuxièmement, prêcher le faux pour savoir le vrai. Le but est de tendre une perche pour ensuite vous inciter à vous faire sortir du bois. Yep. C'est-à-dire, c'est un monde qui croit en tête ou lutter pour réussir. Mais il y a un monde, ça relève, il y a un tenteur, comme nous disons, même dans l'Ancien Testament, côté Adam, Ève est venue tenter Adam. Donc, et maintenant, il est venu, il a dit, il tentait une pêche, c'est-à-dire, il bord, là, dans un moment difficile, c'est ça que je dis aujourd'hui. Il y a des parfois dans un moment difficile. D'accord? Ou à traverser une période difficile, maintenant, du coup, ça, ouais, franchement. Pour je m'en souffre là, ou pas mériter ça, non, ma pédo, mon nom prête même à investir dans ou. D'accord, li prête pour la investir, pas gué, c'est comme si c'est mon bon Dieu te voyait même dans la vie ou là. Fais attention, c'est trop facile. Parfois, si mon nom est dos, faut gué tête. Ou quitter les deux, mais en contrepartie, ou pas prendre ça pour la vérité. Ou quitter les deux parce que vous avez besoin d'aide pour le moment, mais dans tête où il faut déjà préparer. À rendre la personne ce qu'il a fait pour toi pour qu'il te prenne pas en otage. Gon pile moun ki prend pile moun en otage, quel que soit de l'amitié, yo faut chanter par exemple, yon fille, yon garçon qui pa jam trompe mari, qui pa jam trompe madame li. Kounya yo wè de moun sa yo a viv tellement bien, ki sa ki rive? Eh bien, yon fille vini, yon zami entre dans la ville. Li di, "Oh, bonjour gentil là." Mes amis, m'ta reme kon wè mwen ou mèm ansanm avèk mari ou tout moun reme kompliment. Tout moun reme kompliment. Ça va t'attendrir. D'accord? Ça va t'attendrir. Ah, tu es l'homme le plus parfait pour depuis toi avec madame. Mon ba jan mou moun kon sa non, franchement. Ma kon sa m'ta gen, si m'te gon mari tan kou, si m'te gon frè tan kou, si m'te gon kouzen tan kou. Koun ya la moun nan, li vini la, la flatte yo. A travers la flatterie, elle rentre dans ton monde. Et à partir de là qu'elle rentre ou qu'il rentre dans ton monde, il va semer la zizanie ou sinon le déplosaï dans ta vie. Il va te prêcher le faux. C'est-à-dire, il va dire, ouais, tu sais, j'aimerais réussir, mais la vie a pas fait, pas capable. T'as mais qu'on a la vie de prêcher, c'est de bah qu'on est là pour aider. Ou pas ouais, mon ça a besoin d'aide. Ou pas le besoin d'aide. Donc pile fille aussi, malheureusement, qui utilisait ça pour rejoindre l'argent dans mes garçons, par exemple. Fille à lui-même, dans un sens que il y a plusieurs partenaires qui balcob. Nous connaissons ça souvent, ça arrivait malheureusement. Et mesdames, ça y a un gros sol, y a un sapotage, y a tout bagay. Chaque garçon a bail. Mais les yo a vin la caillou, yo lave chaudière yo. Comme ça, c'est ou même seulement yo gagne. Li met toujours mettel non situation, li besoin aide. Et comme ou même ou remè aide, eh bien, li vini riche sous tête. Que de parfois, ou a pede moun ça, ou pense que le pa gagne, et pour vini, li prenne men ça, li prenne men ça, li prenne men ça, li vini construire un building sous tête, ou, et puis demain ou toujours été. Pi ba, li même encore kap kritiko, kap di, li rive passe ou parce que ou prend pause intellectuelle, parce que ou pa gagne, parce que la patre dans la vie ou, ah, tel ou elle, elle pa gagne, non, et tel ou elle. Donc tout ça, yo, faut nous faire prendre précaution. Ça s'appelle prêcher le faux pour savoir le vrai. Donc, si je vous parle de ça, franchement, c'est une expression qui existe réellement dans le monde du travail. Par exemple, tu as ton collègue
Et le collègue est arrivé avec 5 minutes de retard. Et bien, l'autre là maintenant, qui ont l'autre collègue est arrivé, le chef là, les besoins, qu'on a une bonne place vis-à-vis de chef là. Et bien, l'autre là qui ça le fait, lire les chefs là, les dit comme ça que. Et chef là arrivé plus tard, par exemple, il dit à mamselle, arrivé tard aujourd'hui. Imaginons même sous tes guettes, tout le monde a fait semblant de se dire mon lien. Quand on a fait un petit message bali, le fait que il y a un message, il y a une preuve, ou tu as dit qu'il y a un petit peu de retard. Donc, ou pas imaginer combien de temps de retard il y a le bail. Quand on a montré au chef le message, là, voilà, charge où mamselle arrivé en retard. Bon, c'est celle, l'autre message où m'efface, voilà ça qui était là. Pas faire mon confiance. Pas faire mon confiance. Ou qu'on a appris en retard, ou dans le transport en commun ou bloqué. Il y a un système en Europe qui fait que vous allez au guichet, ou mandez un bon de retard. L'arrivée d'entreprise là, ou dit ou désolé, t'es un blocus, t'es un problème de train, t'es un problème de bus, t'es un problème de métro, mais pour qui raison arrivé en retard. Parlez parfois, souvent, même amis, même collègues travaillent ça, pour dire ou en retard. C'est-à-dire, ils vont dire, ah, je vais remplacer, je pas de problème. Eh bien, c'est place où, ou à Bali, sans pas connaître, parce que dans le monde du travail, il n'y a pas d'amitié. C'est tout ça, ma parlé aujourd'hui. Maman de nous pour nous rester branchés. Partagez l'émission ça avec Zami, nous parlons pas l'eau. Nous parlons nous comment contrer. Pour ne pas tomber dans le piège. Et on l'autre exemple encore utilisé, par exemple, vous pensez quoi de Jean ou de Pierre? Vous pensez qu'il fait bien son boulot? Qu'on est à la monde dans la manipule. Vous pensez que Pierre fait bien travail li? Parce qu'il est toujours dit moi ça pas travaille bien. Ah bon, Pierre dit ça? Et puis ou même qui connaît Pierre pas de chambre fait travail li? Qu'on a dit, oh, ben c'est Pierre qui va travailler, Pierre qui va ceci, Pierre qui va là-bas. Tu es tombé dans la manipulation parce que Pierre n'avait rien dit de toi à Jean. D'accord? Mais Jean utilise Pierre, il a prêché le faux sur Pierre pour avoir la vérité dans ta bouche parce qu'il a vu que tu es très proche de Pierre. Restez branchés avec Béthis, c'est moi là pour nous, moi dis nous ça. Moi vini pour moi parler vérité. Qu'est-ce qui apprenne ça? Qu'est-ce qui pas apprenne? Surtout dans moment difficile yo, quel que soit dans politique, quel que soit dans situation, c'est moun yo seulement qui connaît qui ça qui dit la vérité. Il y a des bagages qui rive yo triste, yo pas doit exister. Mais nous même faut nous pas naïves. C'est vrai, tout crime est condamnable, faut le condamner. Toute manipulation de quelqu'un qui en profit du mental de quelqu'un ou entre dans tête pour manipuler. La manipulation, la dépression, c'est la maladie la plus stricte au monde. Les hommes entre dans tête ou les virer cerveau à l'envers, c'est maladie qui est plus douloureuse dans le monde. Là. C'est pour cette raison que je parle aujourd'hui de prêcher le faux pour avoir le vrai. En pile, mon utilise le. En pile mon utilise elle comment pral ba nou technique pour nous découvrir les on mon a menti ba nou ou pas besoin faire quoi ou comprendre la menti ba ou mais ou ka rentrer dans son jeu et puis t'éloigner petit à petit si ou voulez éloigner de li mais sou pa vle ou ka toujours garder l'environnement mais ou konn ki jan ou observer ensemble avec li. Restez branché, partagez émission ça avec zami ou avec famille. C'est de tout ça n'a pas parlé aujourd'hui à nous retourner pour nous continuer l'émission qui va prendre un peu de temps. On a conclu avec 2-3 conseils. Nous t'a parlé de prêcher le faux pour savoir le vrai. Prêcher le faux pour savoir le vrai. Nous disons, c'est une expression et c'est une chose très connue. C'est un bagay que en pile moun utilise quel que soit rang social yo pour obtenir ça yo vle de yon lot moun. C'est-à-dire quel que soit sur le plan amitié ou le plan professionnel ou même lo pose un série de moun question gade parfois et imaginons ou trouver à l'hôpital ou gen yon maladie grave ou sinon ou gen yon série de blessures sur corps donc
yo pa konnen ki es moun ki ba ou yo ou pa vle pale, donc an pil fwa ke ben moun nan ka fè alizyon a yon seri de violans konjugal, ou sinon gen moun nan ki ka fò konpran se pa yon bon chòz. Bon, kom gen se de zanmi ki se l bezwen konnen ou ki jan de vi ou ap menen nan foye ou eske yo kon goumen ansanm avèk ou, li ka fè ou kwe ke li menm chak jou nèg li ap bat li, fòm li ap bat li, li ka fè ou kwe sa pa ka ale nan foye, li ka fè ou kwe yon pil bagay jis pou ka toujou disponib pou li, etan di ke la viv yon bel vi nan men moun li. Donk an fò nou ak fè atensyon nan chans sa pou nou pa viktim, paske an pil moun ap preche le faux pour savoir le vrai lacayou. C'est une sorte de manipulation que nous devons faire attention parce que nous connaissons depuis mon enfant obtenu ça le et bien c'est une histoire dans la ville qui pas réelle. C'est-à-dire c'est là mon enfant par exemple lido ligue tel problème là si et li pa ka s'en sorti ou sinon ou ap traverse yon période difficile moun nan utilize tèt li pou ka fò comprendre li te gen même problème ansanm avèk ou mais ki jan te fè pou s'en sorti en sorte pou ka fè l confiance et puis pou ka abuse confiance sa lèl fin konnen tout sa ka pase nan vi ou parce que gen des parfois moun nan te jalou de ou gen des parfois moun sa fè des années li te raye ou par rapport à sa ou gen sa ou ye et façon d'être ou pas moun paray moun seulement parce que ou gen l'argent moun ray moun parce que ou son moun ki apprécié dans société a parce que ou son moun ki paramezan parce que ou son moun ki posé parce que ou son moun ki l'église parce que ou son moun que moun pa tande non dans tout bagay gen des parfois moun nan li ray ou pour ça parce que ou gen envie pi posé que li donc li pral entrer dans la vie ou gens ou hier yeah. C'est-à-dire il parle très doucement, il pas changer personnalité sous tes coudes. Si tu connais ton série de bagaille pantalon ka privé sous derrière pour ka gagner on li pa met ton costume si loi c'est un monde de bien. Bon tout bagaille ça on se prêcher le faux pour avoir le vrai. Problème non en prêcher le faux pour avoir le vrai, il pas marcher kay tout le monde. Gade parfois ben moi personnellement, je m'en fous quelqu'un vienne me raconter l'histoire de sa vie dans le seul but d'avoir de connaître mes problèmes parce que le plus important, c'est gérer ton propre problème. C'est-à-dire, là, par exemple, quelle que soit la situation, mon avis me dit, vous me dites, oh, moi, je suis tout, je suis même bagay là, je suis tout, oh, ça va supporter, je me connais, lui. Il faut toujours dire dans ta tête, il y a pire que toi. D'accord? Il faut toujours dire, bon, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui ne peuvent pas marcher, il y a des gens qui perdent la vie, il y a des gens qui sont ici, il y a des gens qui sont là-bas. Ça a bon force pour rebondir. On pas forcément besoin de prendre exemple sur tel monde qui est souffri pour apaiser souffrance ou qui a dit juste, bon, c'est la vie, ça fait partie de la vie. On est venu dans ce monde petit, comme on dit, on retournera dans la poussière. Donc, tout ce qu'on a besoin, c'est la santé. C'est déjà avoir une vie saine et avoir le mental, d'accord, avoir beaucoup de mental pour nous qu'à avancer dans la vie sans nous pas besoin au monde forcément pour profiter de nous. Donc c'est de tout ça qu'on a parlé aujourd'hui, hein? Et de prêcher le faux pour avoir le vrai, partager mes chances avec amis ou avec famille. On va citer quelques citations pour vous. Et on dit nous, troisièmement, rendre redevable. C'est-à-dire rendre redevable. Le principe reste toujours le même. Donner quelque chose de non sollicité afin de rendre l'autre redevable. La technique la plus connue est celle l'échantillon ou l'offre gratuit. C'est-à-dire que, bon, on pas mandé mon nan rien, mon nan vini, li vin offrir yon bagay que li konon pa ka posséder ou sinon ou besoin nan moment sa. Nan moment ou besoin nan, c'est-à-dire que, et li offrir ou li konon ou nan besoin, li cibler besoin ou yo. Donc, on a continué pour nous dire nous, et cinquièmement,
Et nous t'ai parlé nous vite fait de quatrièmement parce que les tellement parlé en pile bagaille nan bagaille prêcher du faux pour savoir le vrai. Nous parlons le quatrièmement la technique de la cohérence, c'est-à-dire c'est par exemple là par exemple mon nom les prend par propre mot, c'est-à-dire les faire une série de promesses ou pas de les faire, c'est-à-dire bon quand moi tel service bon bah tu fais le connard non mais tu le qui le va faire pour moi. Donc, on vient de se retrouver dans une situation que embarrassant, on pas dit ni oui ni non. Et après quelques temps plus tard, il est revenu bon côté où, par exemple, et à la gare de Montparnasse, à la sortie de la gare, à Tomoa, Bagasayo, ou pas même gagnant des fonds ensemble avec les métaux dans une situation difficile, ça y aurait la technique de la cohérence, c'est-à-dire la base de cette technique est de vous forcer à effectuer une action en vous incitant à rester en cohérence avec vos paroles et vos affirmations précédentes. Et pour lutter contre cette technique, qui conseille M. Kabano pour nous éviter, pour nous lutter contre et prêcher le faux pour savoir le vrai, ça? Et par exemple, il ne faut pas entrer dans le processus de cohérence interne et bien distinguer les demandes. Ce qui casse le principe de la cohérence, ce qui vous permet de dire non. Il faut dire, ah non, bon, ok, je comprends, on te voit de meilleurs services. Ah mais non, veux-tu, on te dit ça? Non, non, bah, pas sérieux, non. Là, on n'a pas le toucher personnalité ou pour le carabaisser ou pour le car, si vous besoin de paraître sérieux devant, vous devez faire le salve. Donc, c'est pour dire comme ça, non, je suis désolée. Peut-être j'avais dit ça, peut-être vous n'avez pas bien compris ce que j'avais dit, mais je ne suis pas disponible. Je vous tiens au courant. Donc, vous trouvez une sorte d'échappatoire pour s'en sortir. Nous dénonçons cette technique et d'autres plus difficiles que parfois les vendeurs utilisent en plus la flatterie. C'est-à-dire, vous allez l'air d'aimer lire. C'est-à-dire, mon nom dit, oh, remets le livre. Livre, ça t'a bon pour oui. Oh, mon téléphone là, oh, ce téléphone que vous avez là, franchement, avec ce téléphone, vous pouvez aller loin, tout bagaille ça. Et un ordinateur, tout bagaille ça, ça c'est des vendeurs, ça c'est des marchands, ça s'appelle la flatterie. C'est pareil pour un homme aussi, l'elle voulait coucher. Là, dit, oui, tu es belle, franchement, tu es magnifique. C'est là-bas, il faut que confiance dans vous-même pour qu'on connaisse. Ce n'est pas tout le monde qui vient sous Capvinzou, c'est belle, Timoun, pour coucher, pour courir, quitter cœur ou aller bali. C'est-à-dire, il faut choisir l'autre bagaille qui intéresse au Kaimounan. C'est-à-dire, personnalité, mounan, façon d'être li, qui sont qu'à projeter ou, non, à l'avenir avec Mounsa. Qui sont Mounsa qui a apporté de bien dans la vie ou, qui fréquentation, qui genre de monde lié. Est-ce que c'est un monde qui a la même vision des choses ensemble avec ou? Le plus souvent, et les nous rencontrer mon nom c'est que la beauté ou sinon c'est que parce qu'on veut coucher ensemble avec mon nom ou venir personnalité mon nom avec personnalité pas ou fréquentation pas ou pas fréquentation pas mon nom. Donc les vignes très difficile ni pour vivre ensemble avec mon nom ni pour rester bon côté mon nom parce que mon nom pas gagné même pas ne vit pas dans le même monde que vous. Quand je parle de même monde, je parle pas de rang social, je parle de l'éducation, je parle de fréquentation, je parle de l'éducation, c'est-à-dire c'est pas que intellectuel, c'est pas que ceci, c'est mal, c'est petit monsieur intel. Il y a des gens qui sont pauvres, mais qui font en sorte que petit li pa jam nan zen dans la rue, petit li pa présente tête n'importe comment, petit li pa kon jouer ensemble avec moun. C'est-à-dire que nous en pile fois, en pile moun qui gagne l'argent, yo gagne une gros économie dans main yo, mais en fait, bonjour yo. Yo dou seulement envie courir parce que moun sa ou pa l'effort, moun sa ou pa l'éducation, moun sa ou pa se, moun sa ou le passe là-bas. Donc, qui fait que ou doué cibler, c'est pas parce que moun nan gen l'argent ou pa l'entrer en balle, c'est parce que ou pa vivre yon vie de maltraitance, de roi roi, ou pa jom nan tranquillité, tandis que ou même ou son moun ki grandit dans la paix, ou pa l'entrer non famille que parce que ou gen l'argent. Donc, c'est toujours des infamiliales ou toujours au milieu de ces problèmes. Le but est de nous simplifier le choix en nous rassurant via des garanties qui nous font penser que nous faisons le choix, le principe et que la foule a raison. Si on fait comme tout le monde, on ne peut pas se tromper. D'accord? Donc, il faut peser le pour et le contre. C'est-à-dire, il faut cibler la personne. Une personne qui est trop gentille, nous avons tous des défauts. Bref, il y a un monde qui découvre des défauts tout le temps parce que c'est un monde qui a présenté tête libre en tant que c'est un monde parfait. Et c'est derrière mon sérieux qui a un pile inconvénient. Donc, c'est comme ça que nous avons parlé aujourd'hui. Hein? Nous avons parlé de prêcher le faux pour savoir le vrai. C'est pour ça que nous avons pile précaution
pour ça pas arriver nous. Pour éviter ces manipulations, il faut relativiser. Ce n'est pas parce que d'autres le recommandent que c'est forcément bon pour vous. Vous devez vérifier que le produit... Si tout ça, on t'a parlé nous aujourd'hui à noter avec Betty pour les conseils médicaux et familiaux. On t'a parlé nous de ça prêcher le faux pour avoir le vrai, pour si nous pas les victimes, parce que grand pile monde qui fait dépression, en pile monde qui perd estime de soi la caillou, c'est-à-dire à marcher tête baissée parce que tu prends un coup de manipulateur ou c'est-à-dire monde les Haïti yo raqueté. Donc si nous pas les faire